suis Stéphane Abenlanti, instructeur international ICMI. Alors aujourd'hui, nous avons fini avec les stages parce que nous avons commencé avec Yamoussoukro, où nous avons fait, je pense, c'était 20, 21 et 22. Et à Abidjan, nous avons travaillé 27, 28 et 29. Donc aujourd'hui, c'est la fin du stage. Et à nous revoir prochainement pour un autre stage, je pense, dans les mois à venir. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai pu voir, ce sont des gens qui sont déjà pratiquants de Krav Maga depuis fort longtemps. Et disons, on doit seulement leur apporter notre manière à nous de voir, de pratiquer surtout le Krav Maga. Et ils étaient vraiment nombreux dans ce rendez-vous que nous avons eu, même si ça a été bref. Donc j'ai vu des gens de bonne volonté qui ont vraiment beaucoup de foi dans la chose du Krav Maga. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, c'est que prochainement de chercher de faire les choses à temps, de venir à temps parce qu'il ne faut pas attendre au dernier moment. On a vu des gens qui sont présentés même le dernier jour, que ce soit Yamoussoukro, que ce soit Abidjan. Ça nous a fait plaisir parce que c'est tout le monde qui voulait vraiment faire ce stage. Voilà. Mais prochainement, quand même, lorsqu'on entend une histoire comme celle-ci, de se mobiliser tout de suite et de ne pas attendre la dernière minute. Mais ça nous a fait plaisir, même ceux qui sont arrivés au dernier moment, de les accueillir en salle et de travailler avec eux. Voilà. Ça a été une très très bonne initiative, mais le fait que l'initiative soit faite dans les mains d'une seule personne, et ça n'a pas été une très belle chose. Vous avez vu, par exemple, nous avons eu à couper du travail parce qu'on devait faire un travail également sur des projections que nous avons dû éliminer parce que nous sommes retrouvés dans une salle qui ne nous permettait pas de travailler. Et pourtant, nous sommes à Abidjan, on nous a dit qu'il y a beaucoup de bonnes salles, mais on ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir travailler dans ces salles-là. Donc, j'espère vivement que prochainement, qu'on puisse travailler dans une salle adéquate pour que... Parce que quand on vient faire un stage, ce n'est pas pour se faire mal. Nous sommes tous là pour apprendre. Et vivement, je l'espère prochainement d'avoir une salle qui est beaucoup plus confortable pour tous les athlètes qui vont se présenter. Parce que prochainement, déjà, on a lancé les activités. Il semble qu'ils sont nombreux et intéressés au prochain stage. Et puis, à part les stages, il faut que les gens aillent vers les différents maîtres. Il y a Maître Kwakuba, Alex sur place, qui fait partie de ICMI, de le chercher, d'aller dans son dojo, s'entraîner avec lui. Mais vous avez vu également, il y avait des enfants tout à l'heure pour des démonstrations. Donc c'est tout le monde qui y est convié. Voilà. Pour la fin, donc, ce qui fait que j'ai vu beaucoup de gens qui sont motivés dans le sport de combat et surtout ceux qui regardent le Krav Maga israélien. J'espère que c'est un bon début pour tous et je pense que nous allons faire un bon travail ensemble. Voilà, merci. Ouattara Suleiman, je suis déjà dans la sécurité privée. Et au niveau de ce stage, effectivement, nous avions appris beaucoup parce qu'on était déjà dans le domaine, mais c'est toujours bien d'apprendre. Donc, avec cet instructeur qui est venu, vraiment, avec ce qu'on a appris, vu ce qu'on connaissait déjà avec, que ce soit Maître Ba, Maître Aruna, vraiment, c'était super. Il a pris, on a eu vraiment beaucoup de connaissances sur les attaques, les attaques défense. C'est surtout ça, les self-défense. Les attaques à main nue, l'attaque au couteau, les attaques à la machette et comment vraiment se défendre. Donc vraiment, ça a été vraiment très riche pour nous durant ces trois jours-là. Et on va continuer à s'atteler, toujours être toujours parmi les meilleurs et mieux se défendre surtout. Vraiment, c'était bien.